C'était quoi ça? C'est les collègues qui m'ont offert ça cet après-midi. Ça fait un an que je travaille au resto, c'était un cadeau pour eux. Non, mais en fait, c'est une blague. Comme on est un restaurant végétarien et que tu. Hey, t'en fous en fait quoi. Non, mais je m'en fous pas, mais je travaille là. Tu m'en parleras plus tard. Écoute, là, il est super concentré, il est hyper productif. Donc, pas déconcentré, fais en sorte qu'il se passe. Laisse-le tranquille, il bosse là. Quoi? Non, rien, vraiment. Quoi? Bah, je voulais juste voir ce que tu faisais, c'est tout. Je fais des descriptions de mes offres pour mon book. Hein? Et pour quoi faire? Non, mais chute! Pourquoi faire? À quoi ça sert que tu leur fasses des descriptions? Parce que si tu leur envoies les photos, ça suffit, non? Non, mais je décris le procédé créatif, l'intention artistique derrière chaque offre, pas l'œuvre en elle-même, sinon bien sûr que les photos, ça suffit. De toute façon, moi, j'ai jamais rien compris à l'art. Fais en sorte qu'ils se taisent! Ils s'intéressent, c'est sympa, non? T'es jamais content de façon? Si, je suis super content et si, c'est super sympa. Sauf que là, il est super productif, il va perdre le fil. Donc fais en sorte qu'il se taise. Moi, j'essaie de m'intéresser un peu à ce que tu fais, c'est tout quoi. T'es jamais content de façon? Si, mais je suis super content, voilà. Sauf que je travaille, alors tu me laisses tranquille, ok? Ok, relou. Ça va pas non, Ro? Et donc là tu le laisses faire là? Ah oui, là, mais là oui. Tu vas pas la chercher hein? Je vais me chercher une bière, j'ai le droit. Oui, bon bah oui, ça t'a le droit. Donc là, juste pour être sûr, on a affaire à deux spécimens adultes, c'est ça? Bon bah salut quoi, ouais, bon allez-y, marrez-vous, voilà, bon, j'étais pas du tout d'accord pour cette mise en scène, là. Pff, c'est complètement conceptuel quoi, enfin bref. Voilà, bah si vous avez aimé l'épisode, mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, voilà. Abonnez-vous à la page Facebook, la chaîne YouTube, blablabla. Et on vous rappelle que l'abus d'alcool, c'est dangereux pour la santé, surtout si vous chantez des airs d'opéra sur des bateaux pirates, et avec des boîtes à meufs.